Et bonjour toi. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux échapper à la CFE. Je t'explique dans cette vidéo toutes les exonérations, au moins du moins les principales exonérations de la cotisation foncière des entreprises. Pour les micro-entreprises, alors petit rappel la CFE, la cotisation foncière des entreprises, c'est une comme une taxe d'habitation qui va être euh, appliquée à ta micro-entreprise, même si tu n'as pas de bureau. J'ai fait une vidéo toute complète dessus. Et chaque année, elle arrive pour te faire euh, plaisir. C'est un beau cadeau de fin d'année, mais il existe des exonérations de CFE et c'est l'objet de cette vidéo. Alors, déjà, la première exonération, c'est celle de début d'activité. Si ta, ta micro-entreprise a été créée cette année, tu n'as pas de CFE à payer. Par contre, tu dois remplir ce qu'on appelle la déclaration initiale de CFE. Je te mets des liens, j'ai fait un chatbot dessus, j'ai fait un article dessus. C'est un document à renvoyer d'ici euh, la fin de l'année. Deuxième exonération, c'est si ton chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 5000 euros. Alors, on calcule bien le chiffre d'affaires réalisé il y a deux ans. Et s'il est inférieur à 5000 euros, alors là, tu peux bénéficier normalement automatiquement d'une exonération de CFE. Tu n'as rien besoin de faire. Attention, si tu as créé la, 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 la micro-entreprise il y a deux ans ou si tu l'as créée l'année dernière, ils vont faire ce qu'on appelle un prorata. C'est-à-dire qu'ils euh, vont prendre ton chiffre d'affaires et ils vont l'allonger sur un an pour voir combien tu aurais fait si tu avais continué. Je te prends un exemple. Imaginons que tu as fait 2500 euros et tu as commencé un milieu d'année. Ils vont te dire si tu avais continué, tu aurais fait 5000 euros. Et donc là, peut-être que euh, tu n'auras pas l'exonération de CFE. Troisième exonération que tu peux avoir, c'est celle pour l'enseignement. Dès lors que tu enseignes une activité, par exemple langue, sciences naturelles, les mathématiques, les cours de droit, que tu enseignes aussi de, du sport, ça peut être du sport, tu peux bénéficier d'une exonération de CFE. Attention, il faut remplir euh, une ou deux conditions. C'est premièrement, c'est dispenser toi-même personnellement l'enseignement et euh, le faire euh, physiquement. Donc ça ne marche pas pour l'enseignement à distance. Attention, il y a certains enseignements qui ne marchent pas. Par exemple, le yoga, malheureusement, ça ne marche pas. Je vous ai mis un article avec toutes les exonérations. Normalement j'explique celles qui marchent et celles qui ne marche pas donc la condition exercer personnellement et directement à des élèves pas à des associations c'est à dire qu'il faut facturer directement les élèves et deuxième chose c'est le faire soit à domicile soit dans un local dépourvu d'enseignes ou d'aménagements spéciaux des choses comme ça quatrième exonération c'est dès lors que tu exerces une activité artisanale ou une activité euh, manuelle, je prends un exemple, si, euh, d'après toi, tu es euh, dépendant de la chambre de métier de l'artisanat et tu exerces une activité qui est dite manuelle, ça peut être des activités du btp, ça peut être, par exemple, les, euh, la création de bijoux, ça peut être la prothèse angulaire, la coiffure, etc., et tout, tu peux bénéficier d'une exonération de la cfe. il faut remplir trois conditions. attention, la première, c'est d'exercer une activité qui est euh, principalement manuelle. Okay. Deuxième condition, c'est de ne pas spéculer sur la matière première. Ça ne va pas être le cas, par exemple, pour les, euh, les bouchers, etc. Les boulangers, euh, eux, ils ne peuvent pas, par exemple, directement bénéficier de l'exonération. Parce que derrière, eux, ils vont acheter la matière première. C'est directement ce qui va permettre de pouvoir. Ils vont la vendre directement. Donc, du coup, malheureusement, ça ne marche pas. Mais normalement, pour les autres activités, c'est bon. Troisième chose, c'est de ne pas avoir une machine qui fait euh, le plus gros de ton CA. Je vais te prendre un exemple. Imaginons que je suis garagiste et que j'ai un pont pour lever les voitures. Si grâce à ce pont, ça me fait les trois quarts de mon chiffre d'affaires, j'utilise ce, ce pont, ça me fait les trois quarts de mon chiffre d'affaires, malheureusement, je ne peux pas en bénéficier. Si demain, je suis euh, coiffeur et Que j'ai euh, plein de choses là, les, les coques là, les coques, les oeufs là pour les cheveux, les microns d'acheveux, cheveux. Je sais pas, j'en ai trois, quatre. J'ai plein de machines un peu high tech, etc. Et, et j'utilise principalement uniquement ces machines. Et bien à ce moment-là, ça ne ça pourra pas passer pour l'exonération le, de CFE. Si vous avez une ou deux machines, ça passe. Donc voilà, normalement, pour la plupart d'entre vous, si vous répondez à ces trois conditions, vous pourrez bénéficier de l'exonération de CFE et trois quarts du temps elle est automatique. Vous n'avez pas besoin de faire une demande, elle est automatique, elle est permanente aussi. Attention, ça ne marche pas pour les photographes. Je sais que pour certains, les coursiers à vélo, ça ne marche pas, etc. Certaines activités, ça ne marche pas. Alors les photographes, vous allez me dire pourquoi parce qu'ils disent bah, vous utilisez absolument l'appareil photo euh, c'est ça qui vous euh, fait la plus grave, grande partie de votre chiffre d'affaires. Et dernière exonération qui est peu connue, c'est les ZRR, zones de revitalisation rurale. Ça peut être des petits patelins autour des grandes villes et des fois vous êtes euh, vous ne le savez pas, des fois vous ne savez pas si vous exercez une activité qui est commerciale Artisanal et que vous êtes dans un petit patelin euh, ou alors une, une ville pas trop développée, etc. Et tout euh, vous pouvez bénéficier d'une exonération de CFE. Pareil pour pouvoir vérifier si c'est le cas, je vous ai mis des liens. Euh, vous tapez votre code postal et vous pourrez voir si vous êtes en ZRR. Maintenant, je vais vous parler de deux petits bonus concernant euh, pas une exonération directe, mais un dégrèvement, c'est-à-dire une, une exonération partielle. C'est si vous fermez votre micro-entreprise en cours d'année. Imaginons qu'on est en cours d'année, vous n'avez fait que la moitié de l'année, vous avez fermé votre micro-entreprise. Vous allez quand même devoir une CFE parce qu'elle est calculée sur l'année N-2. Par contre, vous pouvez demander un dégrèvement en disant que vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, vous avez fermé votre micro-entreprise en cours d'année, donc vous souhaitez. Un dégrèvement de euh, la CFE euh, que vous la avoir. Donc, il faut attendre de recevoir l'avis d'imposition de CFE et après vous demander un dégrèvement. C'est-à-dire, ils vont enlever une partie de la CFE. Petite exonération encore bonus, mais ça, c'est un peu aussi soudement. C'est si votre chiffre d'affaires de l'année N-2 a changé par rapport à N-1, ça veut dire qu'en gros, entre deux années, il y a eu une évolution, une baisse de votre. Euh, enfin, une évolution, une évolution euh, négative, une baisse de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi demander une exuration partielle de votre CFE à euh, votre service des impôts des entreprises. Après pour toutes les autres activités, si vous avez votre chiffre d'affaires qui a descendu haute, vous pouvez demander un dégrèvement exceptionnel, c'est pas sûr que ça marche mais vous pouvez faire une demande exceptionnelle de dégrèvement de la CFE ou alors d'échelonnement de la CFE. Pour la plupart des exonérations, vous n'avez pas besoin de demande d'affaires. Par contre, si vous recevez votre avis de CFE et que là il y a un montant à payer, alors qu'en principe, vous devriez être exonéré pour une des conditions que j'ai annoncées avant, vous pouvez à ce moment-là, mais qu'à partir de ce moment-là, envoyer un courrier depuis votre messagerie professionnelle impô.gov.fr pour dire... Attention, je réponds à ces conditions-là, donc je souhaite être exonéré. Attendez d'avoir le courrier de l'avis de CFE pour pouvoir demander l'exonération. Le, je vous ai mis tous les courriers aussi dans l'article sur les exonérations de CFE. Et comme tu es resté jusqu'au bout, je vais te donner une petite info qui va être top. Si pendant deux ans ou trois ans, tu as payé une CFE à tort, et eh bien tu peux demander à être remboursé. Donc tu leur envoies euh, un courrier depuis la messagerie professionnelle en disant... Cette année, cette année, j'ai payé une CFE que je n'aurais pas dû. Merci de bien vouloir me rembourser. Euh, et là, tu leur expliques aussi les conditions. Tu tapes, tu regardes dans mon article. J'ai expliqué un peu les, les, les articles de loi. Si tu réponds à un de ces articles de loi, tu leur dis Attention, je répondais à, à, à ces conditions. Donc, je souhaite exonérer. J'espère que c'est plus clair pour toi pour les exonérations. Si tu as des questions, comme d'habitude, en commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Tu vas avoir d'autres vidéos qui vont arriver. Et sinon, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut vous et bonjour toi c'était sur cette vidéo je me suis raté